Matthieu, Matthieu, chapitre 9. Et étant monté dans un bateau, il traversa la mer et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Yehoshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici, quelques-uns des scribes disaient au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car qu'est-ce qui est plus facile ? Dire, « Tes péchés sont remis », ou dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils d'humain a l'autorité sur la terre de remettre les péchés, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et s'étant levé, il s'en alla dans sa maison. Et les foules voyant cela, furent dans l'admiration, et elles glorifièrent Elohim qui a donné aux humains une telle autorité. Et de là, étant allé plus loin, Yehoshua vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau du péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva et le suivit. Et il arriva comme il était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Yehoshua et ses disciples. Et les pharisiens voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre docteur mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Et Yehoshua les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais allez et apprenez ce que signifie, « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Yohanan s'approchent de lui en disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Yehoshua leur dit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil pendant que l'époux est avec eux ? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Mais personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir emporte l'habit, et la déchirure en devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Et étant parti de là, Yehoshua fut suivi par deux aveugles, qui criait en disant, « Fils de David, aie pitié de nous !» Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Yehoshua leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui disent, « Oui, Seigneur !» Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Alors Yehoshua leur donna un sérieux avertissement, en disant, « Attention. Que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette terre-là. Mais comme ils s'en allaient, voici, on présenta à Yehoshua un homme muet et démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules furent dans l'admiration et dirent, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disaient, « Il chasse les démons par le chef des démons. » Et Yehoshua allait dans toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies, et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « En effet la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »